No way, à forcer depuis le matin. Ouais, il y a une bordée de neige qui s'annonce, monsieur Dulu. Ça ne m'étonnerait guère. Tiens, le sergent de Mayou. Où est monsieur de la Salle? Monsieur de la Salle? Vous êtes sûr? Qu'est-ce qu'il y a? Je demande où est monsieur de la Salle. C'est clair? Bon, dans sa chambre, la deuxième porte à droite. Vous restez là. Qu'est-ce que c'est que ce tapage? Ouvrez! Qui va là? Sergent Mayou, j'ai ordre de vous amener chez le gouverneur. M'amener, moi, c'est une plaisanterie. Ouvrez! L'ordre est signé du gouverneur et du prévôt de la maréchaussée. Dites à ces messieurs que je n'ai rien à leur dire. Mes ordres sont formels. Pour la dernière fois, ouvrez! Bon, alors j'enfonce. C'est ainsi qu'on se conduit dans la milice française? Mais monsieur... Vous vous êtes trompé de porte, mon ami. Tout ce que je vous demande, c'est de me suivre chez le gouverneur. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, sergent, d'ailleurs. Apprenez qu'un gentilhomme ne cède pas des procédés pareils. Bon! D'accord. Je vous suis. Mais vous vous en repentirez, sergent. Place, messieurs, place! Mais qu'est-ce que ça signifie? Convocation du gouverneur, figurez-vous. Ces marchands de Ville-Marie font ce qu'ils peuvent. La Salle. Ce bon monsieur le moine! Par exemple! Monsieur, je vous en prie! Non, je vous suis, sergent, je vous suis. Patience! Il y a sûrement erreur! Il nous a provoqués! Oh, c'est trop fort! Non, tu es fou! Il a insulté notre père! Et toi, tu veux nous rendre ridicules? Croyez-moi, mon ami. Vaut mieux ne pas vous mesurer à cavalier de la Salle. Écoutez, il y a erreur. Je connais mon père. Il est dur en affaires, c'est vrai, mais pas au point de... Pourtant... Vous aussi! Sainte-Hélène, tu permets? J'ai le droit de parole, non? Est-ce qu'on sait seulement ce qui est arrivé? J'ignore quels sont les sentiments personnels de votre père, mais je sais qu'au Conseil souverain, les marchands ont réclamé la tête de la Salle. Vous en êtes sûr? J'y étais. Je n'y comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe, Brito? Vous en mettez du temps. C'est que je me hâte. Je me hâte lentement. J'ai tant peur de faire une entaille à son excellence. Vous avez raison. Il faut toujours se hâter avec lenteur. C'est monsieur de La Fontaine qui a dit cela. Vous le connaissez? Monsieur de La Fontaine? Il est de Québec? Non, mon ami. Pas que je sache. Et vous, monsieur de La Salle? Vous le connaissez? Est-ce pour me parler de littérature que votre excellence m'a fait arrêter par ces miliciens? Oh, arrêtez! Vous avez de ces grands mots. On a enfoncé ma porte. Je le regrette. Les subalternes, vous savez ce que c'est. Mais ne parlons plus de cela. Au fait, j'ai remarqué que vous n'avez pas jugé à propos de venir m'accueillir à mon arrivée. Auriez-vous oublié que je représente en Nouvelle-France Sa Majesté très chrétienne, le roi Louis XIV? Oh, je m'en garderai bien. J'attendais une occasion plus propice. Elle s'est présentée plus tôt que je ne pensais. Mon empressement est paru par trop intéressé à votre excellence. Et vous avez préféré vous cacher dans une auberge? Ceux qui ont renseigné votre excellence me connaissent mal. Je n'ai pas l'habitude de me cacher. Je n'en doute aucunement. Mais ce n'est pas pour cela que je vous ai convoqué, monsieur. À mon tour, je n'en doute aucunement. J'ai ici quelques petits billets. Voici. Vous devez, paraît-il, 12 000 livres à Jacques Lebert, marchand de Montréal. 17 000 livres à Aubert de Lachesnais, président de la Compagnie du Nord. 18 000 pots de castor à Charles Lemoine, marchand de Montréal. Sans compter vos redevances à la couronne depuis 3 ans. Et je passe sous silence votre abandon injustifié du fort Cataraqui. Votre Excellence veut parler du fort Frontenac. Pour moi, ce fort s'appelle Cataraqui, monsieur.
Je constate que mon prédécesseur et vous-même avez eu l'étrange manie de changer tous les noms. Et je constate également que le comte de Frontenac ne se gênait guère pour transiger lui-même avec les sauvages. Apprenez, monsieur, que je compte rétablir la fonction de représentant de Sa Majesté dans toute sa dignité. Je vois. Votre Excellence entend sévir. Ma parole, vous me prenez pour le comte de Frontenac. Oh, je m'en garderai bien. À la bonne heure. Je suis l'homme le plus clément du monde. Et pour le prouver, je vous dirai que je vous ai convoqué dans le seul but de savoir si vous comptez payer vos dettes et quand. J'ai toujours payé mes dettes, Excellence. Sans doute, mais il reste que celles-ci m'apparaissent pour le moins impressionnantes. J'ai eu des ennuis. Il m'est impossible pour le moment de rembourser ces messieurs. Dans ce cas, monsieur de La Salle, je suis désolé d'avoir à vous mettre en liberté surveillée, ici même, à Québec. En liberté surveillée? Mais comment pourrais-je payer si on me retient? Je n'y puis rien. Vos créanciers disent la même chose. Comment pourrait-il être remboursé par un homme qui est tantôt au Grand Lac, tantôt en Louisiane, tantôt dans le Golfe du Mexique? J'attends une cargaison de peau de castor d'un jour à l'autre. J'en suis ravi, monsieur. Vous pouvez disposer. Eh bien, moi, je dis que c'est bien fait pour lui. Si notre père l'a fait mettre aux arrêts, c'est qu'il avait ses raisons. Raison tant que tu voudras. On ne fait pas arrêter un homme qui a donné la Louisiane à la France. Oh, si tu fais entrer la France là-dedans maintenant, c'est trop fort pour moi. Je meurs de faim, viens manger. Je demande pardon, sergent. On peut savoir ce qui se passe? Mêlez-vous de ce qui vous regarde, jeune homme. Justement, je considère que chacun a droit à son intimité. À plus forte raison, monsieur de La Salle. J'ai des ordres. Jusque dans la chambre de monsieur? Soldats! Oh, 3-1. Besoin d'aide? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Un petit malentendu. N'est-ce pas, sergent? Vous pouvez monter, monsieur. Personne ici ne va vous importuner. Merci, mon jeune ami. Soyez tranquille, sergent. Monsieur de La Salle n'est pas homme à fuir par les fenêtres. Bon. Restez là. Quant à vous, l'ami, ce n'est que partie remise. Quand vous voudrez. Entrez! Je m'excuse, c'est moi. Je peux entrer? Entrez. Je dois vous paraître bien insolent. Je dois vous dire que je n'approuve pas ce qui s'est passé. Vraiment. Mon père est un commerçant. C'est vrai. Mais il est autre chose aussi. C'est un des fondateurs de Montréal. Il parle plusieurs langues. Je sais, un grand colonisateur, un homme considérable et qui, au demeurant, est parfaitement dans son droit. Mais... Ne protestez pas. Il m'a déjà payé en beau louis sonnant 18 000 pots de castor que je ne lui ai pas encore livrés alors. Il ne faut point le mal juger. D'autant que... Ce n'est pas au débiteur qu'il en a, mais... Enfin, comment dire... À l'aventurier... Tiens. J'ai déjà entendu ce mot-là quelque part. Vous ne pouvez savoir le nombre de marquis en dentelle à Versailles qui s'en servent et qui croient que j'ai quitté par caprice mon domaine de la Chine et que j'ai toutes mes aises au fort Frontenac. Mon père n'a jamais rien dit de tel. Alors, c'est ma légende. Mais... À vous, je dirai ceci.
Il y a un fleuve au sud. Le Mississippi. Un fleuve dont l'importance dépasse l'entendement de tous les marquis de Versailles. J'irai jusqu'au bout de ce fleuve. Vous m'entendez? Malgré les marchands de Montréal. Mais pourquoi malgré? Ils y croient au Mississippi. Ils vous admirent. Moi aussi, je vous admire. Je me souviens, j'avais 8 ans. J'étais avec mon père. Je vous ai vu partir, avec vos secs anneaux, chargés à craquer. Vous voyez où j'en suis maintenant? C'est ça que je trouve injuste. Je leur parlerai. Pour leur dire quoi? J'ai tout perdu. Le Griffon, 3 barques. Mes hommes se sont mutinés à contre-cœur à Michilimackinac. Les marchands ne veulent plus rien entendre. Mais vous avez bien une garantie? J'attends 20 000 pots de castor du fort Frontenac. Je suis prêt à céder cette cargaison en garantie. C'est plus que je n'espérais. Je leur parlerai. Et ils m'écouteront. Je vous en donne ma parole. Je suis un marchand d'Albany. Je désire voir son Excellence, le gouverneur général. Le gouverneur? À cette heure-ci, son Excellence doit être en conférence. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas péché que pécher en silence. Qu'est-ce que c'est? Ah, combien de fois faudra-t-il vous le dire? Je ne veux être dérangé sous aucun prétexte. C'est qu'il y a là un étranger, Excellence. C'est un ami de M. Dungan, le gouverneur de Manhattan. Je n'ai pas l'honneur de connaître le gouverneur de Manhattan et je n'ai aucune envie d'héberger ses amis. Vous pouvez disposer. Mais monsieur mon mari, s'il s'agit du gouverneur de... Manhattan. Il serait peut-être préférable. Vous croyez? Bon, si vous voulez. Dites à ce monsieur que je le recevrai plus tard. Tiens, après dîner. Continuez, mamie. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder. Qu'il faut que je consente à vous tout accorder. Ah, quelle invention! Et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Il a donné la Louisiane à la France. Ça mérite considération, non? Tu m'étonnes, mon neveu. Qu'est-ce qui te prend de t'échauffer de la sorte? On ne fait pas arrêter un homme pareil. Arrêter? Parfaitement. Tu plaisantes. Et tu crois que c'est nous qui avons... Vous avez exigé sa perte au Conseil souverain. Mais nous avons exigé qu'il nous rembourse. Tout au moins qu'il s'explique. Comment voulez-vous qu'il vous rembourse si vous le retenez prisonnier? Écoute, Pierre, tu parles sans savoir. Monsieur de La Salle s'est fait céder le fort Frontenac. En retour, il s'est engagé à contenir les Iroquois, à défricher les terres avoisinantes et à payer ses redevances à la Couronne et à la Compagnie du Nord. Il n'a rien fait de tout ça. Il ne demande pas mieux que de vous rembourser. Il est prêt à vous céder 20 000 pots de castor qu'il attend du fort Frontenac. 20 000 pots, dis-tu? C'est vraiment trop beau pour être vrai. Il me l'a dit. En tout cas, moi, j'y croirai quand cette cargaison sera dans mes entrepôts. C'est tout de même une offre. Venez, nous allons en discuter autour d'une bonne soupe. Si je vous ai bien compris, monsieur Ville, Arnold Ville, hollandais d'origine. Appelez-moi Arnold. Bien, monsieur Arnold. Vous affirmez donc que monsieur de La Salle soulève constamment les Illinois contre les Iroquois. Mais c'est très grave, savez-vous.
Encore faudrait-il en être sûr. Le gouverneur de Monade en a des preuves. Et il m'a chargé de dire à votre excellence que si ce monsieur de la Salle continue son manège, les Anglais et les Hollandais seront forcés d'appuyer les Iroquois contre les Français. Contre nous? Mais, mon cher Arnold, le remède que propose votre gouverneur est pire que la maladie. Il faut trouver autre chose. C'est tout trouvé, excellence. Il suffirait de confisquer les biens de ce La Salle. Vous voulez dire confisquer le fort Frontenac? Il n'y aura de paix qu'à cette condition. Vous en parlez comme d'une bagatelle, monsieur. Il n'est pas facile de remplacer les gens dans ce pays. Oh, votre excellence, rien n'est impossible. Je vois, monsieur Arnold. Votre gouverneur a pensé à tout, même au successeur de monsieur de La Salle. Monsieur Dongan et les marchands de Monade ne veulent que la paix, excellence. Ils seraient ravis de faire commerce avec le fort Frontenac, à condition qu'il soit entre les mains d'un homme responsable, comme votre excellence, par exemple. Vous m'étonnez, monsieur. J'en connais qui ont été relevés de leurs fonctions après s'être rendus coupables de concussion pareille. Mais il y a la manière, excellence. Et il y va de la paix entre nos deux colonies. Oui, évidemment. Il suffirait de rendre le fort Frontenac aux marchands de Montréal et de désigner une personne sûre qui... C'est impossible. Confisquer le fort Frontenac, il faudrait une raison sérieuse. Si encore monsieur de La Salle était insolvable. Mais il attend une cargaison de peau. C'est ce que croit votre excellence. Of the shore. Don't lose any pelts. Good travail, comme vous dites. Yes, yes. Absolument rien. Si ce que vous dites est vrai, j'aviserai, croyez-moi, aux mesures à prendre contre lui. Prévôt, l'intendant. Rien à faire. Bah, basta. Faudrait que les marchands retirent leurs plates. D'Iberville est allé leur parler. Il perd son temps. Dites votre frère, il revient bientôt? Je l'attends, oui.
Parce que le monsieur là-haut, il se fait du mauvais sang. Moi aussi, avec tout cet alcool. Le voilà! Pas trop tôt. Alors, le temps de reprendre mon souffle. C'est incroyable, c'est gagné. Ah, messieurs, vous allez pouvoir aller prendre l'air. Tu es le diable en personne. Qu'est-ce qui se passe? Les marchands en tirent leur plein. Même que c'est monsieur Delachenay qui a cédé le premier. Incroyable. Un diplomate dans la famille. Je t'avais dit, vaut mieux douceur que violence. Je lève mon verre au diplomate. Mais il faut prévenir la salle. J'y vais. Hé, hey, qu'ils viennent traquer avec nous! C'est ma tournée! Oh, oh, oh c'est bon. Oui. Eh, hey, mais c'est le père Mambré qui accoste! Oh, le père Mambré! Oh. Et il est point piqué des verres, hein? Mmh. Tout à fait de circonstance, l'ami. Mmh. C'est la dernière traversée. Après ces émotions, hein. Ah, ça remonte. Buvons à la santé du grand explorateur Robert Cavalier de La Salle. Ça alors? Mais c'est le père Mambré. Vous est-il arrivé? Nous avons tout perdu. Et quelle imprudence d'avoir voyagé en compagnie de deux Indiens seulement. Deux? Mais nous étions une bonne cinquantaine d'hommes. Ils ont tous fui comme des lâches. Mambré. Venez. Mais expliquez-vous! Qu'arrive-t-il? Les canots, les pots, ils ont tout volé. Qui? Je ne sais pas, des inconnus. Et les hommes? Ils ont tous fui.